Salut tout le monde, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons voir ensemble les attaques les plus cruelles du crocodile. Mais avant, je veux d'abord dire un très grand merci à tous ceux et celles qui se sont abonnés sur cette chaîne, et aussi, je tiens à dire un grand à tous ceux et celles qui m'ont fait un don PayPal, merci pour votre soutien. Si toi aussi qui regardes cette vidéo tu n'es pas encore abonné, alors je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner situé au bas de cette vidéo, et active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos quand elles seront publiées. Si vous voulez me faire un don, alors vous pouvez me faire un don dans la description de cette vidéo. Merci encore pour votre soutien car cela m'aide tellement. Bien, ceci étant dit, commençons notre vidéo. Les crocodiles sont des animaux tellement dangereux, cruels et même parfois cannibalisme. Ils n'hésitent en aucun cas à dévorer tout ce qui se trouve sur leur chemin afin de satisfaire leur gourmandise. Nous allons voir ensemble dans cette vidéo, les différents moments d'attaque les plus terrifiants du crocodile. Ici, nous pouvons voir deux crocodiles en train de violemment combattre. Ceci pourquoi, on ne le sait pas encore. Mais peut-être ce combat est pour déterminer qui est le crocodile le plus fort. Ces crocodiles se donnent de violents coups de mâchoire avant de se retomber tous les deux à l'eau. Le vainqueur étant connu. Dans la seconde attaque, nous pouvons apercevoir un crocodile attaquant sauvagement un porc sauvage. Faisant de celui-ci son repas de midi, il le traîne dans l'eau afin de le noyer, avant de le dévorer par la suite. Pauvre animal. Dans la troisième attaque, nous pouvons voir un crocodile en train de violemment dévorer une proie. Je vous laisse regarder par vous-même. Dans la quatrième attaque, nous pouvons voir un crocodile en train de dévorer la tête de cochon avec sa puissante mâchoire. Le crocodile n'a aucun mal à broyer les os de cet animal. Regardez par vous-même. Dans la cinquième attaque, nous pouvons apercevoir une famille d'éléphants en train de tranquillement boire de l'eau pour étancher leur soif quand soudain, un crocodile bondit violemment de l'eau et saisit la trompe d'un éléphant. L'éléphant malgré tout se bat vaillamment, mais sans succès puisque par la suite, on retrouve le crocodile en train de tirer l'éléphant le long du rivage pour le dévorer par la suite. Pauvre éléphant. Dans la sixième attaque, nous pouvons voir un crocodile bondir violemment de l'eau et attrapant par la même occasion, un antilope. Après l'avoir attrapé, le crocodile l'emmène sans tarder à l'eau, afin de noyer l'antilope et de le dévorer par la suite. Je vous laisse regarder par vous-même la scène. Dans la septième attaque, nous pouvons apercevoir un crocodile essayant de faire d'un lion son repas mais sans succès. Le lion repousse sans difficulté le crocodile à l'eau. Sacré roi des animaux n'est-ce pas? Regardez attentivement la scène.
Dans la huitième attaque, celle que j'ai d'abord qualifiée de cannibalisme, nous pouvons apercevoir un groupe de crocodiles en train de dévorer le cadavre de leur frère sans aucune pitié. Moi, je me demande encore comment est-ce que ceci peut être possible. La scène est très douloureuse et fait vraiment pitié. Je vous laisse regarder par vous-même. On arrive ainsi à la fin de cette vidéo. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, alors écrivez dans les commentaires que vous avez regardé jusqu'à la fin. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partagez aussi massivement cette vidéo pour me soutenir. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.